Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau robot qui remplace donc l'ancien sniper. Le voici, c'est un sniper hélicoptère, donc c'est la première fois que j'en fais un comme ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi j'ai fait une petite tentative avec lui parce que bon, je voulais voir un petit peu, j'avais des doutes sur l'utilité du robot en lui-même. Mais au final, il n'est pas si inefficace. Les gens ne cherchent pas trop les snipes en fait en haute altitude, j'ai l'impression. C'est marrant, mais. Enfin, sur la partie que j'ai fait, je suis mort qu'une seule fois. Pourtant, le vaisseau n'est pas extrêmement solide. Et. Il y a les aéroflax, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quand même un potentiel danger. Sur un vaisseau qui n'est pas très bien protégé. Hein, et pourtant, je suis mort qu'une seule fois. Donc, bizarrement, j'ai pas été trop ciblé. C'est un peu un robot de camping, hein, vous allez voir, hein, c'est rester au niveau de la base ou avancer petit à petit pour défendre les différents points, donc les différentes tours. Mais bon, franchement, je veux voir ce que ça va donner sur plusieurs parties. Bon, ellipse, parce que ça prend du temps. Voilà, chers amis, donc. Ah, je déteste ces trucs-là, mais il faudrait peut-être que je m'en fasse une, hein, après tout. Que je vois ce que ça donne. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Mosquito, enfin un robot qui s'appelle Mosquito. Non, trop loin. Chute. Oh, raté. Recharge. Ok. Donc j'ai pas mis assez d'hélium, je crois, encore. Non, apparemment non. Bah, je suis mauvais. Oh, je suis vraiment mauvais. Ok. Donc il va me falloir un peu plus d'hélium, je pense. Ok. Le problème c'est que l'hélium ça coûte assez cher, je crois. Je m'en rappelle plus. Bon, là par contre je vois pas l'ennemi du tout. Un aéroflac, problème. C'est pas grave. C'est prévu jusque là. What? Qu'est-ce qu'il nous fait des dégâts à l'intérieur? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il nous fait des dégâts à l'intérieur? Oh le lag, dommage. Ok. Ok. Pas grave. Donc vous voyez qu'on a quand même le potentiel de toucher un bon paquet de cibles en fait du point où on est. Ok. Mais il me manque clairement. Hop. Vaisseau trop fragile, mon pote. Apparemment, je me suis fait.
Mais je vois pas par quoi en fait. Ok. On va avancer un tout petit peu alors. Ok, toi je t'ai repéré. Putain, ils vont se planquer derrière le caillou, t'es sérieux? Ça par contre c'est vraiment moche. Hop. C'est vraiment moche. Qu'on puisse faire un jeu avec un... Enfin... Hop. Avant qu'il ne me fasse trop de dégâts. Parfait, j'ai pu récupérer mon armement. Horn. C'est vraiment moche qu'on puisse faire ça encore. On a deux persos qui sont barrés de notre équipe, quoi. Là, franchement, je comprends pas. Hop. Finissez-le. Parfait. Ok. Ah, faut vraiment que j'ajoute un petit peu plus de... d'hélium. Hein. Donc j'ai perdu une hélice, c'est catastrophique parce que sans avec une hélice en moins, je ne vole plus. Cependant, je peux optimiser ma régène grâce à ça. C'est pour ça qu'il faut que je reste toujours dans un coin à peu près safe. Parce qu'avec ma régène, justement, je peux regagner rapidement mon hélice. Hop. Hop. Vous voyez, tout est calculé, hein, chers amis. Hein. Franchement, Ah, je déteste le vaisseau, quoi. Hop. Mais non! Your bottom fusion tower is under attack. Enemy spotted. Hop! Enemy spotted. Il va pouvoir le finir. Enemy spotted. C'est pas grave, en soi, c'est pas grave, vous allez voir. Hop, parce que j'ai raterri ici. Hop! Profite. What? Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je prends des dégâts? Mais pourquoi je prends des dégâts? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi? C'est un hack? C'est... Comment je peux prendre des dégâts à l'intérieur du bouclier? What? Ah, ça doit être la manette pour tout à l'heure. Hop. Merci. Hop. Mais non!
Your bottom fusion tower is under attack. Comment c'est possible ça? Your bottom fusion tower is under attack. Enemy spotted. Enemy spotted. Ok, j'en prends plein la gueule, mais c'est pas grave. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. Mais non! Putain, si. Hop. Ah voilà, c'est pas un chasseur non plus, hein. Ok, lag. Incompréhensible, mais là quand même. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que... Dégage. Hop. Lui on le garde en joue entre guillemets. Fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Okay. What? You no longer have it. Oula, ça ça pue par contre. Your middle fusion tower is under attack. Enemy spotted. Your middle fusion tower is under attack. Okay. Enemy spotted. Enemy spotted. Ok. Oula, il vient pour moi celui-là. Hop. Hop les. Oh là, quelqu'un peut l'avoir ou pas? Mais putain! T'es même pas censé voler! Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Excuse-moi mon pote. Putain, là. Ok, tu veux jouer à ça, on va y jouer. Voilà. Ok. Une belle partie, ça. Ok. Je crois que j'ai été repéré. Aïe. Catastrophe. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette saloperie?
Bon, bah tant pis. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. J'espère que ça continue à charger pendant ce temps-là, dis donc. Ouais. De toute façon, je vais pas pouvoir, ils montent plus vite que moi. Ah! Raté. Hop! Aïe! Vous pouvez le buter ou pas? Vous pouvez le buter ou pas? Putain, mais il est moitié mort! Ça y est, merci. Ok. Heal! Pas assez de charge. What? Putain, il me saoule ceux-là. Ah, mais merde. Voilà, bourrez-les. Putain, mais ils sont devant et derrière, quoi. Voilà. Fais ce que je pneu, hein. Hop. On a reperdu la moitié de nos tours. Il a déjà repop lui. C'est pas grave. Hop les. Non. Putain, pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner? Je comprends pas là. Franchement, je comprends pas pourquoi abandonner là. C'est une question de rentabilité de partie. Donc c'est ça son astuce à lui. Hop les, c'est pas grave. Non. Putain, mais pourquoi ils veulent la finir? C'est stupide. Hop. T'as un problème? Vas-y, continue, vas-y, cherche à me tuer, t'as raison. T'as tout compris. Ah merde, y'a lui. Fais chier. Fais chier, dommage. Allez, vas-y mon pote, j'ai pris l'aggro. J'avais l'aggro. Allez. Allez, t'y es presque. T'es bon là. Allez, vas-y. Ah, ils ont tous bourré, dommage. C'est une erreur ça. C'est une erreur d'avoir bourré. Une grosse erreur d'avoir bourré. Allez! Ils auraient pas dû bourrer. Ils auraient clairement pas dû bourrer. Dommage. Ils ont bourré au mauvais moment. C'est vraiment dommage. Ah, c'est con!
Une belle partie, ils auraient pas dû bourrer. Ils ont trop bourré justement. Il y avait trop de monde à leur spawn, ils auraient dû trop bourrer. Ils auraient pas dû, ils ont trop bourré justement. Merde, c'est vraiment con. C'est vraiment con, vraiment con. Bon bah tant pis. Bon bah c'est quand même une belle partie chers amis. Alors moi je vais rajouter un petit peu d'hélium hein. Des cubes d'hélium. Donc dites moi ce que vous pensez du vaisseau hein. 39 000 voilà. C'est bon ça. Je vais m'en acheter deux c'est ça. 6, bah c'est parfait. Hop. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop. 3. 4. Hop. 5. Et 6. Bon. Bon, on verra la prochaine fois si c'est solide ou pas. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Je pense qu'il y aura encore moyen de l'améliorer. Hein. J'ai encore quelques petites idées. Mais bon, on a le temps. Jusque là, il nous faudra encore débloquer quelques RP. Allez, salut les gens.